monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog ce matin. On est samedi le 23 novembre 2019. Il est présentement 6h40 le matin. Je sais, il est tôt. Je bois mon café présentement. Je vais passer le son et voilà. Il est 6h40 le matin. Comme je vous dis, je suis levée depuis 5h30. En fait, je me souviens, au début, il était 5h et 10. Parce que mon cadran de 5h, normalement, je l'ai jamais entendu sonner. Pourquoi? Puis, j'étais comme, moi, je me rendormirai pas, je me rendormirai pas, blablabla. Finalement, je me suis rendormie. Puis, là, je suis en train de me maquiller parce que je m'en vais travailler tantôt. Je travaille de bonne heure ce matin. C'est moi qui fais l'ouverture du magasin aujourd'hui. Je fais l'ouverture du IGA. Puis, avec avec mon assistante de gérance, elle, la superviseure. Puis là, hier, j'ai commencé à préparer des trucs d'emballage de cadeaux de Noël pour cette année. Mes superviseurs au travail, ma boss, tout ça, vont tout avoir un petit cadeau que je vais avoir fait moi-même. Fait que si vous travaillez... si vous êtes une de mes superviseurs et que vous écoutez ce vlog-ci, écoutez pas pour les deux prochaines minutes. Puis ceux qui sont qui travaillent avec moi et qui écoutent mes vlogs, ben dites-leur rien, s'il vous plaît. Comme vous savez, bon, je fais mon cours en pâtisserie puis j'adore encore toujours vraiment, vraiment ça. Puis là, je vais leur faire des petits pots. Ah, ça m'excite tellement juste ça, genre, c'est vraiment cool. C'est des petits pots de caramel à tartiner, mais à caramel un peu comme caramel salé, là. Fait que je vais tout leur faire un petit pot, ça va être vraiment nice. C'est ce que vous avez vu comme en mini sneak peek hein, sur mon master Instagram, là. Et je vais juste comme... mettre ça, là, faire enfin, sûr que... ça soit beau, mon mascara, là. Je m'en fous pas partout, là. Ça, c'est un mascara... c'est la Voluminous Superstar. Bref, en tout cas, en revenant à mes affaires. Vous savez, moi, quand je pars sur un autre sujet, je pars. Je vais vous montrer, je vais juste finir mon œil. Moi, Vincent, il m'a donné mon petit thé préféré, même si c'était pas obligé de me faire un cadeau. Ben, écoute, c'est plus que parfait, regarde comme ça, là. T'es en parfait corps, là. Bon, je prends mon autre œil après. Je vais prendre mon sac. Yep, là, et tout. Et voilà. J'ai été hors de l'eau. Je vais juste vous montrer. Je vais vous montrer. Je sais pas, j'ai mis des petits surnoms pour ça sur les peaux là. Il y a des cloches. C'est des petits pots. Comme ça, j'ai été acheter, ça vient tout du Dollarama, même les petits pots. Dans le fond, j'ai acheté des petites étiquettes comme ça au de l'eau. Ça doit être fucké parce que j'ai juste mascara sur un bord. Puis, dans le fond, c'est là-dedans, je vais mettre le caramel. Puis, j'ai collé des petites feuilles en tout cas, puis j'ai écrit genre super ligne. Puis ça va être tout comme dans des petits sacs cadeaux que je vais leur faire. Ça pour cette année, mes cadeaux de cette année que je vais faire, j'en ai fait quand même quelques-uns maison. Puis je vais en acheter aussi. Je vais acheter cette année du papier craft, puis je vais faire mes décorations sur mes choses moi-même avec la colle chaude et tout ça.
Fait que ça va sauver comme l'environnement, si on peut dire, là, parce d'acheter 50 000 choses de papier cadeau, mais acheter du papier graphe. Puis ça va être vraiment cute. Puis genre, on va peut-être m'acheter comme des pochoirs. Style un peu plus style. Comme peinturer dans le pochoir, parce qu'en peinture normale, je suis pas ta bonne, sérieusement. Puis, Qu'est-ce que c'est? Ils sont pas malins. Puis, c'est ça. Je vais faire parce que des beaux emballages cette année. J'ai vraiment hâte, sérieusement. Aujourd'hui, avant de passer au travail, avant de partir travailler, je vais demander à mon père qui en a des locaux. Je vais lui demander qu'il monte à bord du sapin. Parce qu'en finissant de travailler cet après-midi, je veux faire mon sapin de Noël pour cette année. Puis, un petit nouveau dans ma vie que je ne vous ai pas mentionné. Puis, honnêtement, ça m'étonne quand même assez. Je vais avoir deux bébés minous dans bientôt. Et j'ai vraiment hâte qu'il y en a un qui est tout. Il est tigré blanc et gris. Puis l'autre, il est genre tout noir. Puis sa badine est comme toute tigrée. Fait que ça va être vraiment mignon. J'ai hâte d'avoir mes bébés minous. Fait que à date, c'est ça. Mon petit maquillage la journée. Là. Petit maquillage bien cool du samedi. Fait que moi, je vais continuer à boire mon café. Je vais m'habiller dans pas long pour le travail. Puis nous, on se reparle tantôt, gang. Bonjour à tout le monde, il est rendu 5h26. Ben, c'est mon son d'ortie, comme à l'habitude. Ça fait un méchant bout que j'ai pas vlogué. En fait, vous savez, comme vous saviez, je vous avais dit ce matin, j'ai travaillé. Ce matin, j'ai commencé à 7h40, puis j'ai terminé à 1h30. Puis après ça, bon, ça a été la folie des commissions. J'ai été faire des commissions avec mon chum. On a relaxé un petit peu chez nous. Puis là, je viens de souper. Puis je vais vous montrer. J'ai été acheter des petits trucs au Walmart tout à l'heure. Ben, il y a deux trucs qui sont dans mon salon. C'est des guirlandes pour pouvoir mettre dans mon sapin que je vais finalement faire demain. Parce que là, l'heure qui est rendue là, ça me tente pas tant. Fait que je vais faire mon sapin juste comme demain. Au Walmart, j'ai acheté un ensemble de trois boîtes comme ça. Que de coups qui vont être tapés et tout ça. Et je vais emballer. Puis, je vais mettre un petit cordon par-dessus. Puis, finalement, à place de mettre les trucs de ma soeur pour son shower dans un bac en métal que j'avais trouvé au dolo, je vais mettre ça dans des boîtes. J'ai acheté du papier craft parce que, ben, pour emballer ça, oui. Et puis en même temps pour mes cadeaux de Noël de cette année, je me suis acheté ça tantôt aux gens coutus. Ils sont vraiment beaux. C'est, ils font 3 mètres. 1 mètre fait 3,2 pieds chaque. Fait que je vais pouvoir comme mettre ça sur le dessus, dans le fond. Puis, ouais. Fait que là, ce soir, je vais peut-être revoir mon ami Jess. Et on va peut-être aller faire un tour. J'ai la fondue chocolat favori à manger, fait que j'aimerais ça la faire. Puis, j'ai mangé des chicken pour souper. Et là, je peux voir une découverte à ce temps, fait que je suis contente. Fait que là, on va commencer à mettre ces trucs dans des boîtes. J'ai pas fini de y acheter tout ce que je voulais y acheter encore. Ça va venir. J'ai encore quelques petites choses que je veux lui acheter. Puis, là-dessus, ben, on se reparle tantôt. Rebonjour tout le monde. Il est rendu 7h le matin. Je me suis maquillée. Comme vous pouvez voir, je me suis attachée les cheveux. Puis tout ça. Là, je bois mon café avant d'aller travailler. Le café que j'ai fait dans ma machine, là, j'ai pas été automatone à pied matin. Non, j'avais pas cette motivation là. Puis, après ça, je m'en vais travailler. Je vais ouvrir la courtoisie ce matin. Fait que, genre, ma petite routine, là, du début, genre, de travail. Mettons, j'arrive le matin.
Je vais porter mes trucs dans mon casier à la salle de pause. Attendez, je vais prendre une gorgée. Je vais porter mes trucs dans la salle de pause en haut. Après ça, bon, je descends en bas, je passe devant les caisses, je punch. Après ça, je regarde si j'ai besoin d'échange pour ma journée. Puis, je compte mon pad de lettres et tout ça. Puis après ça, je me vois à la courtoisie. Moi, j'aime ça l'ouvrir le matin. Fait que ça me dérange pas de le faire. Puis, tu sais, je sais pas, là, tu m'amuses, je fais mes petits trucs. Puis, ça va bien. Fait que, faut tout le temps, j'ouvre les tiroirs de cigarettes. Fait que je les débarre. Fait que j'enlève les cadenas, j'enlève les barres, je débarre tous les tiroirs. Il y avait beaucoup de mots barres là-dedans. aussi, il faut que je sorte les résultats de lettres de la veille, de la valideuse. Je sors toujours les nouveaux bandeaux, que ce soit le 649 ou soit le Loto-Québec. Le Loto-Québec, oui. Le Loto-Max, c'était pas la même des tirages. Et que je sors mes rapports. Je vais enlever les journaux de Montréal de la veille, puis je vais placer les nouveaux. Fait que c'est pas mal ça d'être que je fais, ben, qu'on fait le matin. Je lève tout le temps, comme on passe tout le temps un petit coup sur les caisses. On vérifie si on a encore assez de rouleaux de reçus en dessous des caisses, puis tout ça. Puis, le samedi, c'est la journée de la semaine où j'ai le plus de rapports à sortir, de résultats en fait. Puis, faut que je place les cahiers week-end dans les journaux de Montréal. C'est ce que j'ai fait hier, dans le fond. Puis ce que je ferai samedi prochain également. C'est pas mal ça que je fais le matin. Puis tout de suite, on fait nos trucs. Puis c'est bien cool. Puis je fais 1h30 aujourd'hui. Le dimanche, il faut toujours que je compte ma caisse. Okay, je vais compter ma caisse. Je vais la mettre à 150 avant de partir. Fait que là, c'est ça. Il est rendu 7h03. Même 7h04, l'ordre vient de changer. Je vais regarder des petits trucs un petit peu sur Pinterest de Noël. Puis, peut-être me refaire comme un petit ordre d'idée là, pour aujourd'hui, ce que je veux faire après le travail. Fait que là-dessus, ben, on se reparle tantôt tout le monde. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Et re-bienvenue dans ce vlog que j'ai débuté hier. Un petit peu, puis que je vais compléter aujourd'hui, dans le fond, parce que, comme je vous ai dit hier, finalement, je fais mon sapin aujourd'hui. Fait que, ça, puis, là, il est 6h08 le matin, on est dimanche le 24 novembre 2019. On est déjà dimanche, ça passe trop vite la fin de semaine. Je travaille encore aujourd'hui. De 8h à 1h30, dans le fond, je commence comme tout en vacances. 7h40, 7h45 quand même, parce que bon, on a des trucs à faire avant que le magasin ouvre aux caisses. Puis, je sais plus trop ce que m'en est là-dessus, là. Et ça, à 9, je viens de préparer la machine à café pour boire un petit café ce matin avant le travail. Puis, je vais me préparer également. Puis, c'est pas ma seule planning pour aujourd'hui. Je suis censée d'avoir mes bébés minous aussi aujourd'hui. Que j'ai pas marre. Tantôt, je vais aller leur acheter de la nourriture et tout ça. Fait que là, on se reparle tantôt, gang. Bonjour tout le monde. Il est rendu 14h59. Puis là, je reviens du travail. Je suis revenue du travail. Ça fait à peu près une bonne heure. Et regardez. Oups. Ça, c'est un minou. Ça, c'est l'autre. Ils sont vraiment mignons. On dirait que je ne réalise pas encore que c'est mes minous à moi. Ouais. Vous êtes beaux, mes minous. Ouais. Oh! Attention! Pas de faire des bobos. Pauvre petit pet. Attendez. Je vais leur donner un coup de main, puis on se reparle tantôt, tout le monde. Bonjour, tout le monde. Il est rendu 15h04, puis là, je viens de faire la présentation officielle de mes bébés minous. Puis là, je m'apprête à nettoyer mes uniformes à l'école pour la semaine. Pour deux jours, en fait, pour lundi et mardi. Puis, je vais
fait ça. Puis, excusez si vous voyez peut-être pas bien. Je mets tout le temps du fantastique, j'avais dit en dessus là, pour les détacher au maximum. Parce qu'on en fait de la tâche dans une journée. Puis j'avais voulu les laver hier, mais pour être bien franche, ça ne me tentait pas énormément. Fait que c'est pour ça que je les ai pris laver hier en fait. Je mets du fantastique dessus pour enlever les taches, puis après ça, je pars dans la vache, je mets un petit peu de fantastique dedans, puis je mets du savon à linge. Fait que moi, je continue mon lavage, je vais m'occuper de mes chats, puis on s'en parle tantôt tout le monde. Très bonsoir tout le monde, il rentre 19h49, puis là, je suis relax, je suis en pyjama, et je sors du bain. Ça m'a fait du bien, j'ai pris... Ma bonne amie Nessa Black m'avait donné comme cadeau de fête un genre de petit panier. Puis dedans, il y a un gel douche, un bain moussant, puis une lotion pour le corps à l'huile d'argan. Sérieux, ça sent vraiment bon. Fait que j'ai mis de la mousse dans mon bain. Ben, un petit peu. Puis j'ai mis... Me suis lavé avec le gel douche à l'huile d'argan. Que j'ai pris un bon bain en écoutant des vidéos. J'aime ça prendre un bain parce que ça me permet comme de relaxer avant le début de la semaine et tout. Ça, je prends des bains dans la semaine, mais souvent je prends. Quand je travaille pas, je prends des douches. Non, quand je travaille pas, c'est un bain que je prends. Puis quand je travaille le soir jusqu'à 10h, c'est des douches que je prends. Parce qu'à l'heure que je finis, ben, prendre un bain, ça reste juste pas de bon sens. J'aime ça prendre des bains comme au moins une demi-heure. Fait que là, je vais relaxer encore un petit peu. Je vais me couler un bon verre d'eau. Puis nous, on se reparle tantôt, la gang.